Ok. Vous, moi, de vous. Ok. Même si les temps sont durs et que les tensions durent trop longtemps, besoin de l'amour des gens pour exister, du regard, même si tout le monde dit que c'est insensé de ma part. Malgré tout, besoin de vous, voulez-vous de moi, car je suis fou de vous, public. Moi, je travaille sur les champs de phonèmes ou les champs lexicaux, c'est-à-dire que certains personnages vont s'exprimer avec beaucoup de A, par exemple, ou d'autres avec beaucoup de I, de U et de E. En français, les syllabes I, U, E, enfin ces trois voyelles-là, sont extrêmement pointues, extrêmement nettes, quoi. C'est des syllabes qui sont très... Et donc, il y a des personnages qui sont précis, qui sont nets, à qui ça va très bien convenir d'avoir beaucoup d'adjectifs, beaucoup de noms qui comportent ces voyelles-là, quoi. Donc, ensuite, tu fais comme un... Tu fais du chromatisme, quoi, comme un peintre, tu vas utiliser une palette de couleurs sur les voyelles ou sur les consonnes qui correspond au personnage. Golgoth, il a la palette, ce qu'on appelle les plosives, c'est la série Potke, Bodege. Et là, j'utilise ces consonnes-là en majorité, c'est saturé de ces consonnes-là, pour qu'on sente le côté percutant, le côté brutal, le côté bourrin. Donc, ça, c'est beaucoup de boulot, c'est pour ça que ça prend autant de temps, c'est que tu vas définir vraiment ton chromatisme, quoi, vis-à-vis des... Mais après, ça permet, quand le lecteur y rentre dedans, apparemment, ça a marché, hein, mais de sentir vraiment qu'il est sur un autre personnage à chaque fois. Quoi. Je suis vraiment désolé. Salut. Vincent Mendel, tu te rappelles pas de moi? Le type avec qui j'ai eu l'accident, je l'avais pas vu depuis 25 ans. Retrouvailles des anciens du collège. Papa, ta voiture, elle est plus là. Kipiani vous accuse de viol. Votre avocat est là. Vincent, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Rien. Je voudrais parler aux enfants. Ils ont été choqués que la police vienne te chercher. Tout ça n'a aucun sens. Amis, stop. Vous, stop. Alain Dubry, l'hostal d'Occitanie. Stop. On va ouvrir une maison pour le peuple. Stop. Elle est grosse, mais elle est pas là. Elle est grosse. Un jour, j'accompagnais un choriste de contrebasse. Et les contrebassistes, bon, je dis comme souvent, bien souvent, ils ont tendance, quand ils passent dans les aigus, à accélérer. Alors bon, moi j'étais à tchingin, 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 je suivais le truc. Et puis soudainement, j'entends tchac, tchac, tchac. Je me dis, qui c'est celui-là? Et en fait, c'était ma Charlet qui continuait, elle, à jouer imperturbablement le tempo, mais là où il était censé être réellement. Et j'entendais ma cymbale complètement hors du champ. Je dis, mais... Et là, j'ai dit, oh. Et j'étais perdu. Et j'ai dit, plus jamais je l'écouterai celui-là. Il faut qu'il soit moi, mais libre. Et l'autre aussi, et les grosses caisses. C'est-à-dire être libre. C'est ça l'indépendance. C'est pas des synchronismes. Check, 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 tagadak, tagadak, toutes des choses comme ça, non, c'est la liberté. Mais donc, on n'en peut plus expliquer, oui, j'ai peut-être joué la Charlet là, mais je ne l'ai pas analysée. Elle était libre, finalement. Je cherche de plus en plus loin.